Hop là. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Fanfan du 85 et c'est parti pour la dernière vidéo de Dark Duel Stories. Dont d'ailleurs, ce truc n'a été possible que grâce à toi, mon ami Dai. Parce que, après avoir entendu la musique de FF10 que je remets pour la deuxième fois, on entendra une playlist qui m'a fait spécialement pour le truc. Puisque du coup, nous avons battu Dark Knight 5 fois, mais les adversaires de niveau 5, il faut les battre qu'une seule fois. Et on les débloque dès que Dark Knight a été vaincu. Et comme on a fait Dark Knight les 5 fois, en faisant tous les trucs derrière, ben on est prêt à se coltiner tous les adversaires des mots de passe. Donc du coup, en fait, pour débloquer le niveau 5, c'est très spécial. En fait, il faut utiliser un mot de passe pour débloquer les adversaires de niveau 5. Sachant que les adversaires de niveau 5 sont très très durs, chacun d'entre eux. Donc c'est pour ça que je demandais à notre ami Dai de faire plutôt une playlist assez longue, parce qu'on risque peut-être d'y rester un petit moment dessus. Donc du coup, on va commencer par Yami Yugi, qui a la particularité d'avoir tous les types de monstres, et ce n'est pas une blague. Bah, il faut dire, c'est pas le maître du jeu pour rien quand même, le gaillard. Mais pour débloquer Yami Yugi, il faut utiliser un mot de passe en fait. Et ce qui est sympa, c'est que même si vous le battez qu'une fois, vous pouvez le remettre si vous remettez le mot de passe en fait. Et au moins, comparé aux cartes, les mots de passe, si vous l'utilisez une fois, ils ne sont pas foutus, je vous rassure. Alors, 7, 0, 7, 1... Je mets le mot de passe de Yami Yugi. Hein. 5, 2, 8, 1. Et il faut savoir que quand j'ai joué ce jeu pour la première fois, c'était avec mon frère également, mon frère avait réussi à débloquer Yami Bakura. Donc ça voulait dire qu'on était quasiment à la fin du jeu. Toi, casse-toi. J'espère seulement que tu es prêt à m'affronter. Oh mon dieu, c'est vrai que tu n'es pas simple à battre en plus, donc encore une fois, si jamais il y a un bug, mais j'entends rien au niveau sonore, donc ça veut dire que ça a l'air d'être bon, je fais une CFT, comme ça on est tranquille. Allez, Yami Yugi qui craint parce que lui... Oula! Tu as mangé ton mi, Yami Yugi, puisque tu dis, je suis Yami Yugi, l'esprit de l'ancien pharaon d'Égypte. Et l'esprit... Oh le con. Millennium Puzzle, ça se dit pas normalement aussi? Et l'esprit du puzzle du Millennium. Mon magicien des ténèbres, le deck de mon magicien des ténèbres t'attend. Mais surtout qu'apparemment, t'as l'air d'avoir le magicien sombre du chaos. Donc, bon, comme il utilise tous les types de decks, il n'y a pas vraiment de trucs spécifiques. Je vérifie juste si j'ai bien gardé mes cartes pièges. Ouais, Acid Trapole, il est là. Crush Card est là. Donc là, on va entendre la playlist de notre ami Dai. Spécialement, je n'ai pas réécouté tes musiques pour me remettre dedans. Bon, là, on reconnaît Tenchu. Ouais, Acid Trapole. Et l'autre. Widespread Ruin. Il est là, ouais. Merci. Donc c'est parti, c'est moi qui commence, donc c'est pas génial. Bon, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi, il y a toi. Autant jouer à défensive parce que je crois que Yami Yugi a de très bonnes cartes. Donc j'ai pas trop vu ce qu'il a comme type de jeu, j'ai pas regardé les vidéos de Dai, donc... Perdu! Donc c'est un monstre terre, c'est ça? Ouais, terre. Je crois que j'ai le contre qu'il faut, ouais. Coucou! Bon, c'est possible qu'il va me le détruire, mais bon. Comme Dark Knight, faut espérer faire énormément de dégâts, sinon il nous défonce la gueule, donc... Ah, mode défense, donc ça doit être un monstre terre encore. On va aller voir. Oh, enfoiré! Bien joué. Bien joué. Donc là, ça pue, il va faire un sacrifice. Ah, je m'en doutais. Et qu'est-ce que c'est? Quoi? Tout ça pour ça?
Toi, t'aurais mieux fait de laisser ton elfe mystique en mode défense. T'es en plus, c'est un quoi? T'es un démon. Ok, t'es mort. Mais, Dai, faut savoir, la musique que tu m'as mis, il m'a hanté pendant un moment. Parce que, faut savoir que j'avais reçu ce jeu de la part de mon parrain, Tenchu, la colère divine, et on y était passé sur ce passage parce que je savais pas comment on devait y aller. Mais en fait, ce qu'on ignorait, c'est qu'il fallait se caler sur les murs pour avancer, quoi. Donc là, comme je le dis, je prends énormément de risques. C'est pour l'éliminer le plus rapidement possible. Sinon, on est dans la merde. Ah, enfoiré! T'es un monstre quoi? Terre! Ouf! Mon problème, c'est qu'il a détruit un excellent monstre, donc... Bon, mais monétisation, je te dis adieu, parce que faut savoir, Dai, que étrangement, quand j'ai mis cette vidéo dans cette musique dans Le Seigneur d'Angers et Tournament, j'ai eu une notif que j'ai perdu, une notif de notification en mode vous avez violé un truc merde, comment il s'appelle? Une notif de droit d'auteur, parce que faut savoir que le compositeur qui a fait ces musiques là a beaucoup rippé de musiques connues. Mais notamment, je te conseille d'écouter une musique de Dragon Ball Z Budokai 3. Ça reprend September et ça m'a fait beaucoup marrer. Surtout quand tu l'entends avec la vraie musique, ça colle parfaitement bien, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça, si vous jouez à Dragon Ball Z Budokai HD, que vous n'avez pas cette musique légendaire, parce qu'elle est géniale, hein. Mais c'est pour ça que vous n'avez pas cette musique légendaire, c'est parce qu'en fait, bah, le mec, on l'a traité de plagieur, quoi. Aïe! Mais cette musique est excellente, quoi. Ah, t'es mort! Je vais quand même voir ce que t'avais dans la main, quand même. Oh bah oui, t'étais mort. Ah là, tu m'aurais fait chier, là. Mais pourquoi t'as pas invoqué lui? Tu vas plus chier qu'autre chose. Donc Gaïa, Chevalier Dragon... Ouais, il aurait pu me faire chier plus que ça, quoi. Ah non, c'est que... Si, c'est déjà fini? Putain. Alors ça, par contre, ça, je connais pas, mon petit Dai. Mais de toute façon, Dai a fait à sa sauce, moi j'ai fait à la mienne, donc... Oh, merde, 300! Ah non, c'est pas Shin Megami Tensei, ça? J'ai cru le voir, en fait. Bah voilà. Et le problème, c'est qu'il me faut un monstre rêve, sauf que je n'en ai point. J'ai crié victoire trop vite. Scheiße! Faut juste prier qu'il fasse le con et qu'il va sacrifier son monstre, quoi. Merci. Oh mais tu m'en fais un maître du jeu là, tiens. Oh mais comment se ruiner avec classe, quoi. Tu as vaincu mon deck du magicien des ténèbres. Non mais en fait tu t'es tué tout seul. Là t'avais pas mal pour un débutant. Non, ça fait presque 5 ans que je joue à des jeux de Yu-Gi-Oh, donc Gabon, merci. Donc le deuxième adversaire qu'on va affronter, c'est Marikishtar. Je suis Marikishtar et je vais vous ensorceler avec ma baguette de dorée pour que vous me fassiez des câlins. Ceux qui connaissent la ref pourront s'en occuper. Alors, Marek, j'active son mot de passe. 0 6 9 8 7 3 9 8. Oups.
Non! Mets-toi là-dessus, merci. Tu n'as aucun espoir de me vaincre. Pas tant que j'aurai ma carte de dieu égyptien Ra. Alors le pire, je crois, c'est qu'il n'y a pas les dieux égyptiens dans ce jeu, je crois. Tu ne peux pas espérer gagner. Non, ça, tu l'as déjà dit, ça. Donc lui, il utilise beaucoup de monstres de type démon. Donc il faudra beaucoup de lumière. Nous rencontrons enfin. Oui, parce que souvenez-vous, dans le niveau 2, il avait possédé Arcana et Seeker. Enfin, vous l'avez pas vu, hein. C'était hors champ, mais il les a possédés en fait. C'est comme si nous étions destinés à nous rencontrer. Eh bien, nous l'avons fait. Je suis Marek. Je peux entrer dans les esprits, les contrôler. Je possède le bâton du millénium. Alors par contre, ça, je le connais pas. Donc du coup, je n'ai pas de monstre rêve. Par contre, faut que je vérifie le nombre de lumières que j'ai. 1. Toi, tu es quoi? 2. 3. 4. Non, c'est pas ça. 4. Ah non, j'en ai 4. J'en ai 5, puisque j'avais mis elle. Mais c'est tout. Je vais quand même voir mes créations si j'en avais pas de plus. Puisque mettre dragon blanc du bleu, non. Il est trop cher et en plus, faut deux sacrifices alors que l'ennemi te laisse pas une seule chance. Ouais, vaut mieux que je te mette. Alors du coup, on va retirer un monstre inutile. C'est quoi ça? Toi, on sait jamais. Je crois que j'ai laissé un griffon. Bah le griffon, tiens. Tac. Merde, tu étais là. Ah, c'est Marek qui commence. Ça commence mal. Bon, il a mis un monstre en me défense. Le problème, c'est que quand il commence, je me méfie. Bon, j'ai un acide trapole au cas où il me ferait chier. Ah, par contre, je n'ai aucun monstre lumière. Joie, bonheur, poivre lavement, tout va bien. Donc, par sécu, on va jouer de la défensive. Il va faire un sacrifice. Non, il ne le fera pas. Fuck. Bon, c'est pas grave, tout ce que j'ai détruit, boucher du bistrot. Donc c'était un démon. Oh, t'es quoi toi? Mais putain! Ah, il va me faire mal, il va me faire mal. Jarigumo. Oh putain, il me faut un monstre feu là. Ça, c'est pas The Legend of Isaac, ça? Pff, ouais, c'est bien le moment de laisser de carte, bouffon, va. Mais tu comprends maintenant pourquoi Daesh t'ai dit qu'il fallait que t'en fasses plus, parce que si je me retrouve dans des situations comme ça, là... Bon, il va faire un sacrifice. Voilà, je m'en doutais. Et Megamorph! Metazoa! Ouais! Mais t'as un quoi? Si c'est divin, par contre, là, on reset, parce que... Enfin, on reset. Démon, je n'ai pas de lumière. Et toi, tu pouvais pas arriver avant? Je vais avoir mal au cul. Encore? Mais là, il y a 4000 ton monstre là. Mais bon, si c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'a pas de quoi me contrer donc. Hein. Oh, mais va te faire chier, merde. Oh la vache, 4000 de
gueule. Mon beau. Oh, ça fait mal. 4000 tout court dans la gueule. Bon, mais j'ai compris. Bon, normalement, Marek, tu es toujours là, je crois. Casse-toi. Ouais, Marek est toujours là, ouais. De toute façon, si l'enregistrement plante, je sais quoi faire, donc... Mais déjà, niveau son, je n'ai pas de bug, donc... Mais voilà, voilà pourquoi je t'ai dit, Dyke, qu'on pouvait avoir des trucs comme ça, c'est que là, j'ai eu un gros troll. Est-ce que tu es resté dans le jeu? Oui, tu es resté dans le jeu. Ah, c'est lui qui commence, ça c'est pas bon. Ah, il utilise Megaman, au moins on saura ce qu'il a mis. Mechanical Chaser, ok. Faut juste voir le truc. Bon, j'ai une lumière et j'ai un truc, parfait. Je vais le garder en... Je vais garder dans la main un carte piège au cas où il invoque un monstre qui n'est pas un démon. Et que j'ai rien pour le contrer. Ah, oh, Yeki. Ou alors qu'il me fasse ça. Parce que vous voyez, le gros problème, c'est que les ennemis ont tous des monstres plus forts que les miens, quoi. Bon. Sauvé par le gong. Alors celui-là, je ne connais pas. Par sécu, si jamais il me rejoint Raigeki dans la gueule. Oh, s'il jouait direct Gumo. On a été sauvés, les amis. Donc voyons voir ce que t'as dans la main. Mais t'as toi... C'est bon, pour l'instant il peut rien invoquer. Fais voir, t'es un monde de 6 étoiles. Oh my god. Donc faut que je te tue maintenant. Sinon, on est dans la merde. C'est un démon, c'est un démon. Non, Susai, c'est un démon. Ah, je sais pas ce que c'est, mais la musique est sympa. Putain, j'ai pas assez pour faire une force. Vous imaginez, là, il invoque direct Mou, il attaque le monte en mode défense, là, il est en mode... Ah, mais pourquoi? Non, Dark fait... Oh, la vache! Oh non! Mais va faire foutre, putain! J'aurais dû y penser qu'il avait des monstres. Bah là, il me faut une carte piège là. J'ai pas le choix. Parce que là, il va invoquer son miroir là. Bah oui, forcément, bah oui. Bah oui, un monstre divin, comment tu veux que je détruise ça, abrutive? Oh! Mais va faire foutre en plus! Bah, je te laisse en mode attaque au cas où il invoque un monstre démon. Bon, il m'invoque pas de monstre. Ça m'énerve quand ça arrive, quoi. Alors ça, je sais pas de quel jeu ça vient, mais... Oh putain, c'est ça que j'aurais dû virer. Parce que monstre divin, vous ne pouvez pas le détruire avec un... Putain, je vais devoir reseter encore. Putain, j'avais de quoi rattraper, mais j'avais pas prévu son elfe. Donc on va régler ce problème. Je vais remettre des monstres raids. Non, tu l'as... Tu y es déjà. Ah ça, je sais pas du tout de quel jeu ça vient en fait.
Donc je vais virer des cartes qui ne servent plus à rien, genre toi. Toi, tu sers plus à rien. Vous restez au cas où il m'invoquerait des... toi t'as une bonne défense, toi t'as une bonne attaque. Et Sparks, ouais, Sparks il me sert à rien quoi. Bon rêve. J'en mettrai pas beaucoup parce que les rêves au final j'en ai pas trop besoin, c'est surtout des monstres lumière qu'il me faut. Clown. Bah c'est un démon, non? Witty Phantom, c'est un démon. C'est un ombre. Ah, toi, tu as un... toi, t'es un monstre rêve. Je crois que t'en es un aussi. Ouais. Ah, putain, trois fois, c'est lui qui commence à trois fois. Ah, méga monstre. Comme ça, je sais ce que c'est. Il me faut un monstre lumière. Et j'en ai un. Bon, parce que j'invoque le plus faible au cas où il me jouera un Raigeki ou un monstre trop puissant. Voilà, je m'en doutais que tu me ferais ce coup de pute. Tout ça pour me rejouer le même monstre. Bah du coup là cette fois-ci mon monstre était beaucoup plus puissant donc bon là je tape plus le Raigeki. Même pas. Bon s'il m'invoque un monstre trop puissant, je pourrais contrer avec ça. Toi vaut mieux je te garde pour plus tard. Non c'est bon. Bon, normalement, il va mordre à l'hameçon, il va essayer d'attaquer mon monstre. Nickel, j'ai ce qu'il faut! Ah, là, ça te fout bien, hein. Tu m'as fait chier tout à l'heure, mais là, je t'encule, là. Il doit avoir des monstres que un sacrifice. Là, faut que je lui fasse énormément de dégâts, quoi. J'invoquerai ma magicienne que s'il détruit mon elfe gémeau. Allez, on y croit, là. J'irai Gomo, mais je t'encule parce que je crois que j'ai un monstre feu. Oui, oui, allez. Bon, mais Marine, merci d'être passé, hein. Au revoir. Putain, il m'aura fait chier, putain. Bon, j'espère juste que... Non, c'est bon. Le possesseur de la vraie lumière. Non, toi t'es le possesseur des ténèbres. J'ai perdu contre un humain. Ok. Tiens, Théon n'était pas venu la dernière fois. Je sais pas, ça va. Oh, 255, c'est trop cher, même quand je vais finir le jeu, quoi. Alors, ce jeu, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc maintenant on va se faire l'adversaire que mon frère avait débloqué à l'époque, Yami Bakura. Et toi, il faut surtout qu'il me faut ombre, donc il me faut des monstres rêves, j'en ai. Forêt, donc feu. Des monstres eau et des monstres vent. Bon, monstre vent, j'ai ce qu'il me faut. C'est surtout niveau eau qu'il me faudra. Tac tac tac, 0, 7, 1, 1. 9, 9, 8, 6.
Quoi? Tu veux m'affronter en duel? Ok, on va le faire. Limite, le regard, it's raping time. D'ailleurs, faudra que je revoie la rediff de Yagami sur le jeu, mais apparemment, ils avaient oublié de traduire ce que disait Yami Bakura, apparemment. Ah, c'est parti, Yami Bakura. Je suis Yami Bakura. Mais putain, mais vous avez des problèmes avec vos mi ou quoi? Dueliste des ténèbres. Et le possesseur de l'anneau du millénium. Voilà, Yami Marek. Marek, c'est ce que t'aurais dû dire. Tu es fou de m'avoir appelé. Es-tu assez brave pour m'affronter? Eh ben, on va voir ça. Donc, je dois virer quelques cartes parce que du coup, il me faut des monstres hauts. Puisque monstre feu, j'en ai. Rêve, peut-être faut que j'en rajoute un de plus. Vent, ça, je sais que j'en ai. Donc, ma grenouille, elle va rester. Mais tu es le seul monstre que j'ai. Faut que je m'en mette au moins 3 monstres hauts. Bah, allez, casse-toi. Et ouais, j'ai assez d'ombre comme ça, donc. J'avais dit que je voulais un autre monstre rêve. Baby Dragon. Parce qu'il a des monstres feu, des monstres forêt, des monstres ombre et des monstres terre. Alors ça, je vois pas de quoi c'est. La musique, je parle. Jellyfish, toi, t'es un monstre haut. Ouais. Quoique, fais-moi voir le niveau. Niveau 4. Ouf. J'ai eu peur, je croyais que c'était un monstre de niveau 5. Je me dirais, wow, calm down. Ta musique très sombre, quand même. Ah, mais... Je l'avais pas vu, le Lizark. Ça, c'est quoi, ça? Vent. Bon, j'en ai pas besoin. Ah, Water. À quoi c'est bon? T'as voyé que malgré le fait qu'on a fait beaucoup de duels, je suis toujours en limite. Putain, c'est lui qui commence. Et le problème, c'est qu'il a 3 types dominants, donc... Ah, Mega Morph. Putain, je l'ai dans l'avenir. Dragon Kumori, c'est un monstre... terre, je crois. Et j'ai un monstre vent, donc... Ah non, c'est un démon. Donc il me faut... une lumière que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave, j'ai 2 cartes pièges, donc... Tac. La musique, elle est vraiment dedans. C'est pas The Darkness, c'est pas... Oh, enfoiré! Bon, c'est pas grave, il attaque toujours avec le monstre le plus fort. Fusion de... Oh, enfoiré! Enfoiré! Bon, mais de toute façon, il invoque par sacrifice. Dragon à quoi? Donc, qu'est-ce qu'il m'a invoqué, là? Non, c'est bon, j'ai le contre. Die! Au cas où tu m'invoques un monstre plus puissant que mon dragon, faut que je te fasse des dégâts là. Ouais. Oh. Dans ton cul, connard. Oh, mais j'avais le contre. Bon, c'est pas grave. Bam. Ouais, ça doit être The Darkness, je pense. Ou alors, si je me gourre, Dai, tu me corrigeras. J'allais dire Yagami, mais non, Yagami n'est pas là, donc... Bon, c'est pas grave, j'ai le contre. J'ai le contre. Mais je peux pas faire de dégâts. Fuck you. Mais de lion, maintenant, je pense pourquoi il n'avait pas joué avant. Allez, il peut même pas jouer de monstre. Oh, tu vas avoir mal.
Putain, Yami Bakura, il se fait défoncer, les amis, là. Oh, ça, par contre, il peut se rattraper, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Mais sauf que ça sert à rien, il a pas de monstre. Bon, j'ai un crush card au cas où il me ferait trop chier. Bah voilà. Perdu. Joli, ça. Bon, malheureusement, je peux toujours pas attaquer. Là, ça aurait été le moment pour l'achever, mais le problème, c'est que je peux pas attaquer. Oh. Et il me reste encore un tour. Bon, c'est pas grave. Peu importe ce qu'il invoquera, s'il a plus de 1500, il est mort. J'ai Mega Morph. Oh. Non, il a fait le con. Quoique. Mais de toute façon, j'ai le contre derrière. Perdu. Casse-toi, allez, casse-toi. C'est bon, Bobby Yami Bakura, expéditif le mec. Et ça fait toujours même pas une heure, quoi. Oui, c'est bon. Le possesseur de ce corps s'est mis sur le chemin de ma victoire. Mais c'est surtout que t'as pas eu de chance, en effet. Hein. Moi, j'ai eu de la chance. Ah, Héroïsion 2. Très important parce que j'en ai besoin donc. Ah, ça c'est un Fire Emblem ça. Ça va être un Fire Emblem je pense. Donc du coup. Mot de passe pour le cinquième du liste que j'avais oublié le nom mais vous allez découvrir qui c'est. Que celui-ci, il a des monstres de type eau, donc il me faudra des monstres tonnerre. Des monstres de type lumière, donc il me faut des ombres. Donc je remettrai quelques ombres que j'ai retirées. Des monstres démons, donc il faut que je garde mes lumières. Donc en fait, il a le contre pour un type, en fait. Et des monstres terre, sauf que ceux-ci sont un sacrifice. Mais on gardera quand même nos monstres vent. Et voici le dueliste auquel je parle. Shadid! Ben oui, Shadid! Ta volonté m'a libéré et m'a mené vers toi. Maintenant, montre-moi ton pouvoir. Montre-moi ta force. Oui, ça voulait pratiquement dire la même chose. Donc, il me faut des monstres tonnerre, des monstres ombre, des monstres lumière et des monstres vent. Donc, je retirerai les monstres aquatiques que j'ai mis pour mettre les monstres tonnerre. Je suis un descendant du... J'adore. Les trois petits points, c'est moitié illicite. C'est quoi mon texte? Alors... Non, ça se voyait pas, mais c'était un truc personnel, donc. Des disciples d'Anubis. Ah bon? T'étais pas le protecteur du pharaon? Surtout qu'en plus que t'as un film. Bon, certes, il est sorti beaucoup plus tard que ce jeu, qui démontre ce qui explique, quoi. Ton rôle, quoi. Surtout que je crois que t'as une de tes apprentis qui a un peu le béga pour Kyle, quoi, parce qu'elle l'affronte plusieurs fois, quoi. Recherche le cœur d'un vrai dueliste. Et tu pourras trouver ta carte déchirée. Quoi? Putain, mais t'as fini de parler comme ça, père courant. Donc, monstre aquatique, je vais en tirer. Ouais, Inotama, j'en ai plus trop besoin maintenant, donc... Surtout qu'Inotama, je remarque, je l'ai très peu joué, quand même. Alors, ce jeu, je ne sais toujours pas de quelle musique ça vient. Donc, 1... 2... What? Ah! Je croyais que ça avait bugué, mais non. Non, t'es un démon, toi.
possible peut-être qu'il ait des monstres rêves, donc je dois faire attention. Ouais, tiens, toi, je vais te remettre dans le jeu. Oh putain, mais j'ai pas de chance pour l'instant, hein. C'est tout le temps l'adversaire qui joue. Et le problème, c'est que là, il a posé un monstre en mode défendre, mais je sais pas du tout de quoi c'est. Alors, j'ai des monstres lumière, mais ça dépend s'il va jouer des démons. Ça peut être une lumière, mais... Non, non, je préfère jouer la défensive. Et là, je regrette, il m'invoque un monstre divin. Non ! Ah, sacrifice. T'es un monstre terre, toi. Donc, il me faut un monstre vent. Évidemment, je n'en ai pas. C'est super. Alors ça, je sais toujours pas ce que c'est. Oh, je vais encore avoir mal au cul de la part de Shredded. Donc toi, t'es un monstre haut. Donc il me faudra un monstre tonnerre. Aïe, 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 les mains de merde. Donc là, il va faire un sacrifice à deux étoiles. Non, deuxième monstre à sacrifice. Mais pourquoi t'as pas attaqué avec l'autre? Bah, je peux m'en débarrasser d'un, mais l'autre, il va survivre, quoi. Alors, voyons voir ce que t'as dans ta main. Shadow Spell, ok. Oh, j'ai eu de la chatte qu'il n'ait pas joué. Ouais, je peux... Parce que t'es bien monstre ombre, ouais. Je peux au moins me débarrasser de toi, au moins. Mais par contre, je vais avoir mal au cul. Parce qu'il a un monstre à 1800, il va m'attaquer avec son monstre. Il a trouvé un autre monstre. Tiens, à quoi me tour? Ok. Ah, je crois que c'est perdu. Je crois que c'est perdu, les amis. Donc, on recommence. Aïe, 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 aïe. Donc, on recommence. Mais là, j'ai eu une main de merde. Et vraiment de merde. Parce que j'avais rien pour contrer son golem. Oh, c'est encore lui qui commence meurtre. Laissez-moi commencer en premier. Comment je installe ma défense? Parce que là, je sais toujours pas ce que c'est. Ah. Soul Blade. Donc, je crois qu'on est quasiment à la fin de ta playlist, là. Tu vois, je t'avais prévenu. Hein. Le problème, s'il me joue un monstre lumière, là, j'aurais l'air con. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur, putain, je me suis dit. Merde, ça va être un monstre lumière. Non, c'est bon. Non. Non. Enfoiré. Oh, putain, j'aurais dû prévoir ça. Bon, heureusement, j'ai des monstres lumière, mais... Wobo. Mais là, là, je peux que m'en vouloir. Bon, c'est pas grave, crush card. Encore une fois, il faut que je te fasse énormément de dégâts. Oh, tu fais chier. D'accord, tout ça pour ça. T'as moitié là, on dirait que j'affronte Cervantes dans un jeu de cartes pour gamins, quoi. Oh, mais ça veut dire que t'as aucun monstre.
Merci. Au moins, je te tue rapidement, comme ça, je serai pas emmerdé. Shadow Spell, bon, il n'a toujours aucune carte. Bon, le problème, c'est que tu vas faire très peu de dégâts, mais je m'en fous. Le problème, c'est qu'il faut que je te tue maintenant, parce que sinon, en fait, il va invoquer forcément un monstre. Et ça va faire bobo. Bah ben, voilà, il invoque un monstre qui sera à Aquamado. Et Shadow Spell, mais oui, merci, comme ça je peux même pas le tuer, quoi. Et j'ai rien pour contrer 1200. Surtout qu'il va être capable de le mettre en mode défense. Bah du coup, j'ai pas le choix, faut que je te mette en mode défense. Là, le problème, c'est que là, il a eu les bonnes cartes, là. Oh, sacré, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, non! Je viens mon sauveur! J'ai maintenant que t'arrives, toi! Putain! Pourquoi ce jeu m'emmerde toujours dans des musiques que j'adore? Mais non! C'est dégueulasse, putain! On va éviter que tu m'invoques un monstre. C'est dégueulasse, putain! Ça me débecque quand ce putain de jeu, il arrive à s'en sortir, quoi. Pas de monstre. Donc il me faut au moins un monstre boss, please! J'en ai des milliards dans mon jeu. Putain! Bah oui, il est pas con. Oh putain, ça veut dire que même si... Non, il va me tuer. Putain, vous voyez pourquoi je déteste quand ce jeu se fout de ma gueule, putain. Là, on pouvait gagner. Mais le problème, c'est que la carte qu'il me fallait, je l'ai pas eue. Putain, mais j'en ai ras le bol de ce putain de jeu. Heureusement qu'on en termine. Hein. Parce que là, quoi qu'il arrivait, il allait me tuer. Parce que mon monstre n'est pas assez puissant pour contrer. Parce que j'ai fait le con. J'ai trop voulu le foncer. Ah! Bon, j'ai un assez de trapoule. Tout va bien. Allez! Putain, Aquamado, j'aurais préféré autre chose. Donc ça, c'est un dragon bossé, c'est ça? Donc si je me rappelle, je crois que c'est la dernière musique de Dai. Et tu vois qu'on est à Shadid. On n'a toujours pas battu les autres. Car on écoute une musique Game Boy dans un truc Game Boy. Qu'est-ce qu'il a joué en mode défense? Suicide! Main vélo. Bon, ça va. Et c'est qu'en fait, c'est parce qu'il y avait lui. D'accord. Et là, il va m'invoquer un monstre impossible à détruire. Mechanical Chaser. Donc il me voit un monstre lumière là. Je crois que j'en ai vu un. Oh bah pff. En plus j'en ai deux même. Je crois que je le tue là. Non, je le tuerai pas. T'as à 350. Et là vous allez voir qu'il va faire une remontée spectaculaire parce que ce jeu adore beaucoup se foutre de ma gueule. C'est un monstre lumière. Allez dans ton cul, Shadid.
Allez, ça t'apprend à m'avoir fait rager sur un moment où je gagnais, quoi. Putain. Non, j'ai eu peur, je croyais que le jeu allait planter le direct. Ton esprit fort sera te guider. De ne pas utiliser, de mal utiliser tes cartes rares. Moi aussi, il me troll parce que j'ai voulu le défoncer trop vite, quoi. Allez, plus qu'un! Château de magie noire. T'es un monstre de niveau... What? T'es un monstre de niveau 4? Je croyais que t'étais un monstre de niveau 5. On a bien magie si je voulais faire une fusion avec mon... mur du labyrinthe, mais j'en ai pas. Donc, dernier adversaire, je vous en avais parlé, c'est Nightmare. Ouais, merde, c'est un 3. D'ailleurs, c'est logique, c'est il était dernier adversaire de niveau 4, et là, c'est le dernier adversaire du niveau 5. Oh putain. Non, non, je lis pas ton texte, tu fous trop la pétoche. Donc lui, il utilise beaucoup de monstres terre. Donc par conséquent, il faut beaucoup de monstres vent. Je crois que j'en ai pas mal. Putain, je te regarde pas, putain, t'es moche. Il fait pas peur, mais il est moche. Donc je crois que j'ai suffisamment de monstres lumière, je crois... de lumière, monstre vent. Oui, drôle bird. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je retire? Faut peut-être que je retire mes monstres électriques. Parce que du coup... ils sont en danger parce que je rappelle, il a beaucoup de monstres terre. J'ai essayé de trouver d'autres monstres vents pour m'avantager. Malheureusement, j'ai pas Harpy Lady. Peut-être pour avoir une bonne défense. Tant pis, ça réduit mes chances d'avoir des monstres vents, mais esprit de quoi? Parfait, je te prends. T'as voyé, dernier deck, c'est... Oh, c'est encore lui qui commence. Le problème, c'est que je peux pas prévoir ce qu'il a joué, quoi. Bon, j'ai un monstre vent. Mais là, je vais être obligé de jouer à défensif, là. Terre. Oh, Rageki. Démon, donc. J'ai des monstres lumière. Ah, et c'est vrai qu'il a un deck très proche des frères Paradox, en effet. Donc là, ta playlist d'Ice est terminée, et du coup, on passe sur une playlist PS2 que j'avais téléchargée, qui aurait dû être jouée lors du temps de... Merci. Lors du troisième live, mais je m'étais trompé, donc... Oh, on commence par Kingdom Hearts 2, tout va bien. Je sais que c'est ton verre du donjon. Mon problème, c'est qu'il va jouer Rageki. Je m'en doutais. Putain, c'est ça mon monstre le plus puissant. Putain, on va pas avancer, hein. Mais tu vois, je t'avais prévenu, Dai. Je t'avais prévenu que... Oh non, tu fais chier. Je t'avais prévenu que ce serait long, quoi. T'as tout ça parce que ce con, il a pas de monstre, quoi. Attends, le pied de mon monstre qui passe à travers le cadre, tout va bien. Oh. Mais méfions-nous s'il a des monstres lumière, parce que Dark Knight en avait. Donc ça, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'est le thème de... Qu'est-ce qu'il a fait? Monstre! Donc il me faut un monstre rêve. Oui, parce que changement de cœur, évidemment, qui est putain d'overcheaté. Ou peut-être pas.
Toi, je te mets pas, parce que s'il a un Raigeki, j'ai plus que les yeux pour pleurer, donc... Bon ben au revoir mon monstre. Putain, je peux toujours pas attaquer. Donc on va jouer à défensif. Ok, bon ben merci de m'avoir fait perdre mon temps. Donc au moins si jamais il me troll, j'ai de quoi contrer. Mon monstre à 800, je le mets pas en mode attaque, trop faible. Tiens, prends ça dans ta gueule. Nightmare qui m'avait surpris sur le coup quand je l'avais joué la première fois dans Forbidden Memories. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode oh merde. Ok, merci de m'avoir gâché ma carte. Bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Je crois que t'es mort là. Oui, il est mort. Tout va bien, il m'a fait chier, mais pour rien quoi. Donc ça fait quasiment même pas une heure. Ça y est, c'est fini. Mais oui, vas-y, troll. Grogne, pardon. Troll. Là, subitement, t'as Nightmare qui fait le. Donc ça y est, ben, c'est un peu tard pour avoir Shadow Spell quand même. Hein. Donc ça y est. Dark Duel Story, c'est fini. Oh putain, ça me fait un peu pincement au cœur parce que c'était un des premiers jeux que j'avais fait et il se termine comme ça. C'est triste. Alors ça, je sais pas de quelle musique ça vient, mais souvenez-vous, lorsqu'on avait fait la partie avec Dark Knight, on avait obtenu un code, code que je vais marquer maintenant pour bien finir cette série. Donc c'était le 4, 2, 3, 8, 2, 4, 4, 3. Et du coup, ça nous débloque les crédits, voilà. Bon ben, c'était Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories. J'espère que ça vous aura plu. Moi franchement, ce jeu m'en a fait baver. Je crois que je vais le supprimer de mon ordi dès qu'il sera fait. Sauf si l'enregistrement ne marche pas, mais ça a pas l'air d'être le cas. J'entends pas de problème de son. Donc bah, du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories. Putain, les crédits qui vont trop vite. To be continued. Parce que oui, je crois qu'ils ont ressorti un autre jeu après avec ce système et avec les cartes de dieux égyptiens. Ok. Donc du coup, Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories est terminé. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour un nouveau jeu. Parce que c'est vrai que le jeu. Comme j'ai fini un jeu, mais du coup, je vais pouvoir en passer à un autre. On va faire un autre jeu sur PlayStation 1 qui va être la suite d'un jeu que j'ai fait. Vous saurez reconnaître lequel. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cette première de Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories qui n'a même pas duré une heure. En espérant que l'enregistrement n'a pas planté, maintenant je vous dis cassez-vous, les amis. Allez, ciao, bye bye. Et pourquoi je dis cassez-vous? C'est fini, on est content, on est heureux. Allez, ciao.